Bonjour fidèles téléspectateurs de Malaïka Télévision et bienvenue dans votre carnet de santé, votre santé. Et soyez nombreux, coachés sur les émissions de Malaïka Télévision pour suivre la suite de nos émissions. Nous allons aborder un sujet important chez la jeune fille, chez la femme, chez les mamans, un sujet qui court la rue. Et dans nos consultations, on a beaucoup de plaintes sur ce sujet. Eh bien, il s'agit des troubles des règles. Les troubles des règles, c'est un sujet très important dans la vie de la femme. Eh bien, dans les troubles des règles, nous allons plus spécialement parler des règles douloureuses. Qu'est-ce qu'on appelle règles douloureuses? Quelles sont les causes des règles douloureuses et comment prévenir, comment traiter les règles douloureuses? Suivez votre santé pour avoir la réponse, les réponses à tous ces questionnements. Qu'est-ce qu'on appelle règles douloureuses? Eh bien, pour comprendre les règles douloureuses, nous devons d'abord comprendre c'est quoi les règles. Ça a quelle signification? Et donc, si nous comprenons bien ce que c'est les règles, après, on peut maintenant bien comprendre c'est quoi les règles douloureuses. Les règles, c'est quoi? Vous savez, Dieu nous a créés et il a mis une touche spéciale dans la femme. Il a conçu la femme et il a créé la femme pour la procréation. Il a voulu que la femme puisse avoir cette lourde responsabilité de garder un être en elle et finalement de donner la vie à un être qui a commencé, qui a évolué, qui s'est développé et puis finalement qui doit naître. Et pour cela, il faudrait que le fonctionnement de la femme puisse se dérouler normalement. C'est là qu'a commencé la notion des règles. Qu'est-ce que les règles? Je vais plus ou moins illustrer cela. Maman, vous savez que quand vous avez un invité à la maison, quand vous avez donné un rendez-vous à un visiteur, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez par vous préparer, n'est-ce pas? Vous achetez de la nourriture, vous apprêtez la maison, vous époussetez par-ci, par-là, pour que lorsque le visiteur va venir, qu'il puisse se sentir à l'aise chez vous, qu'il puisse passer un séjour agréable là chez vous. C'est un peu la même chose. Lorsque la femme est en train d'évoluer dans son fonctionnement, il arrive qu'elle commence à se préparer à recevoir un nouvel être qu'on peut appeler ici un visiteur. Le visiteur, c'est qui? Le visiteur, c'est la grossesse qui va venir. Et pour que cela se passe, il faudrait qu'il y ait une certaine préparation dans l'organisme de la femme pour accueillir ce visiteur-là. Et c'est là que vient toute l'importance des règles. C'est que les règles sont conçues pour faire voir à la femme qu'elle est en train de fonctionner normalement et qu'elle est apte à recevoir le nouveau visiteur qui doit venir. Et pour cela, donc, l'organisme se prépare. Il se prépare comment? Nous allons voir qu'au début du cycle, c'est-à-dire lorsque les fonctionnements de l'organisme de la femme a commencé au début du cycle, la femme est en train de se préparer petit à petit à ce qu'elle puisse tomber enceinte. Et ces préparations se font à quel niveau? Ça se fait au niveau de la matrice, communément appelée matrice, que nous appelons aussi utérus. Et cet utérus commence à préparer la venue de la grossesse. Et donc, il va commencer à chercher des ingrédients, des protéines, des enzymes, des éléments nutritifs qu'il faut pour que lorsque la grossesse arrive, que cette grossesse puisse passer un bon séjour au niveau de la matrice. Lorsqu'il arrive que le visiteur ne vient pas, comme nous l'avions dit, vous avez donné un rendez-vous à un visiteur, vous vous êtes préparé, vous l'attendez, tout est fin prêt, il devait venir à 12 heures. À 12 heures, il n'est pas là. 13 heures, il n'est pas là. 14 heures, 15 heures, voire même 20 heures, il n'est pas là. Je pense que vous n'allez plus continuer à l'attendre. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez défaire tout ce que vous aviez déjà préparé pour le recevoir.
C'est comme ça que l'organisme se comporte aussi. Lorsque la matrice a préparé tous les ingrédients possibles pour concevoir, pour recevoir la grossesse, mais lorsqu'il arrive que la grossesse n'est pas là, la grossesse n'est pas arrivée, en ce moment-là, notre matrice va faire comment? La matrice va défaire toutes les préparations qu'elle avait déjà faites au fait pour le visiteur. En ce moment-là, il va se passer un événement important qui fait l'objet de notre émission aujourd'hui. Il va se passer que les règles vont commencer à couler. Toutes les préparations de la matrice vont se défaire et les règles vont apparaître. Eh bien, nous avons expliqué aujourd'hui c'est quoi les règles, qu'est-ce qui se passe lorsque les règles arrivent. Nous avons dit en conclusion que les règles, c'est un échec de grossesse et la matrice pleure des chaudes larmes, de larmes de sang, parce que le visiteur qui devait arriver n'est pas arrivé et voilà, les règles sont là. Merci de suivre Malaika Télévision. Nous étions en train de parler des règles. Maman, Léo, mon émission est à Léo, tu n'as semé à Mambo, il y a ma règle. Ma règle, tu n'as isema, inakuyaka wakati gani, ikunakuya kama mimba ainako. Ni kusema kila mwezi, mwanamuke ekona chunga evenement yake, ya kusema mugeni moja atakuya, na ule mugeni ni mimba ni mutoto. Kama mugeni asikuye, ile yote litarishiwa mukitanda kya mama njuu ya kupokea ule mgeni. Ile yote litarishiwa itavunjika, itapomoka na njo maana maregle inatoka. Ni kusema kitanda kya mama kinalia paske mgeni yake asikukuye. Mufuatilie Malaika Television njuu ya kuyua makozi ya maregle douloureuse ni nini. Soyez branchés sur Malaika Télévision. Bye bye.